kagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehovah. Ikagiria siribu. Ikerebu be, imarama. Ikagiria siribu. Ikerebu be, imarama. Ikagiria siribu. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec cette note musicale que nous ouvrons les portes de Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. C'est le groupe Eden, très belle voix, voilà, de belles jeunes filles qui se donnent pour l'œuvre du Seigneur. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui nous voient en ce moment. Bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je veux savoir d'abord le nom à l'état civil. Je commence par ma droite. Do Larissa Christelle. D'accord. Moi, Kwasi Adjoa Marina. C'est un mélange de culture. Hein. Do, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Oui. Marina, c'est le centre. De la Côte d'Ivoire. D'accord, ça, c'est une question de réconciliation, quoi. Effectivement. D'accord, alors les filles, le groupe Eden est constitué de deux belles filles. Nous constatons actuellement, vous êtes très belles. Vous faites l'œuvre du Seigneur toute jeune. C'est facile pour vous, le showbiz, à cet âge, je dirais. Même si je ne connais pas l'âge, vous êtes quand même jeune. Est-ce que c'est facile? Il faut dire que rien n'est facile, mais par la grâce de Dieu, nous y arrivons avec tout l'encadrement que nous avons, des personnes qui nous soutiennent, notre père spirituel qui nous soutient sur le côté spirituel, voilà, qui nous donne des conseils. Nous bénéficions à chaque moment de leur aide et donc tout se passe bien par la grâce de Dieu. D'accord, surtout le côté spirituel. Mais je vous trouve un peu timide, hein. Surtout toi. Surtout toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que c'est le matin, il y a le poids de la fatigue. Effectivement. Un peu ça. D'accord. Donc, au cours de l'émission, ça va passer. D'accord. Alors, on vous a découvert dans le groupe Les Élus de Jésus. Vous étiez membre du groupe Les Élus de Jésus. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous évoluez en duo sous le nom Eden. Est-ce qu'il y a une histoire liée à cela? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Il faut dire que Élus de Jésus reste le nom du groupe musical de l'église. D'accord. Il n'y a pas eu de division, de blabla. Voilà, c'est juste le noyau. Mais c'est toujours la famille. Nous sommes toujours en contact. D'accord. Donc, quels sont les rapports entre les autres membres du groupe et vous? Des rapports de fraternité, d'amour, d'harmonie. Voilà, nous nous entendons toujours. Nous sommes toujours ensemble. Voilà, et donc, il n'y a rien de spécial. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Mm-hmm. Voilà, c'est toujours la même famille. D'accord, merci de nous rassurer. Vraiment, nous sommes heureux de savoir que rien ne s'est passé. Ouais. Parce que très souvent, quand les groupes se séparent, il y a forcément des problèmes en dessous, ça, des problèmes d'argent, des problèmes de disputes et tout. Mais là, nous sommes rassurés, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, un nouveau départ, le groupe Eden aujourd'hui prend son envol. Vous êtes toutes deux à conduire ce groupe. Dites-nous, pourquoi le choix du nom Eden? Est-ce qu'il y a une histoire ou quelque chose lié à cette appellation? Pourquoi Eden? Il faut dire d'abord que Eden veut dire délice. Et si nous voulons aller à la Genèse, la Bible déclare que le jardin d'Eden était le premier lieu de rencontre avec Dieu et l'homme. Et là, il y avait la paix, il y avait l'entente, il y avait tout. Voilà. Jusqu'à ce que l'homme désobéisse à Dieu. Et alors, nous avons choisi Eden en quelque sorte pour pouvoir réconcilier Dieu avec l'homme, ramener l'homme à son intimité avec Dieu. D'accord. Voilà. C'est ok, juste... d'accord, vraiment, c'est très bien dit. Et quels sont les thèmes que vous abordez dans votre album? Alors, il faut dire que cet album est un album d'abord d'évangélisation. Mm-hmm. Il a pour but l'édification du corps du Christ. Et il y a de la consolation, on parle de la restauration, on parle de la présence des dieux et tout ça. On a aussi de la reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits à travers le titre Merci Seigneur. Oui. Voilà. Et donc l'album a beaucoup de sujets à la fois. Mm-hmm. L'album est intitulé Tant de grâce. Pourquoi tant de grâce? Alors, tant de grâce pour annoncer un message de paix, un message d'espoir aussi à tous ceux qui traversent des moments difficiles. On dit qu'il y a encore de l'espoir. C'est le temps de la grâce pour eux. Okay. Le Seigneur est capable de faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. D'accord. Voilà un peu comment se présente l'album. Voilà. Très belle couleur, très belle coloration. L'album comporte 11 titres. Je citerai 8 dieux, le premier titre, c'est ça. Ma foi repose sur toi. Merci Seigneur, Jéhovah. Ouvre mes yeux. Let it rain. Ah, qui est bon en anglais ici? Alors, dis un mot, l'esprit est là, je veux t'adorer, élu de Jésus, né pour dominer. Élu de Jésus, c'est un titre qui figure sur votre album. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir juste un bout?
Jésus-Christ m'a choisi pour que je sois son serviteur. Jésus-Christ m'a choisi pour que je sois son élu. Envoie-nous ta présence, envoie-nous ta gloire, que l'onction vienne sur moi pour que je sois accompli. Envoie-nous ta présence, envoie-nous ta gloire, que l'onction vienne sur moi pour que je sois accompli. Tellement bon à entendre qu'on a du mal à vous interrompre quand vous chantez. Comment vous arrivez à entretenir cette voix-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un secret particulier? Il n'y a pas de secret particulier, mais premièrement, faut préciser que la vie de chantre, c'est d'abord une vie de consécration. Vraiment. Voilà, la prière, le jeûne, la méditation. Voilà, et il y a aussi le niveau technique qu'il faut pouvoir entretenir. Oui. Par exemple, faire des exercices vocaux. Mmh. Voilà, c'est cela. C'est cela. Waouh, vraiment, très belle voix. Je vous encourage. Très belle voix. Alors, faut dire que le groupe Eden aujourd'hui est à son tout premier album, c'est ça? Eden, c'est le tout premier album du groupe Eden, qui est sorti depuis quand déjà? Depuis le 12 août 2012. D'accord, 2012, donc à peine quelques mois. Hein. Et comment l'album se comporte sur le marché? Ça va, les gens achètent. On a aussi de bons retours, on nous appelle pour nous encourager. Les vies sont restaurées pour ceux qui ont déjà acheté et qui écoutent. En tout cas, les vies sont touchées, les vies sont restaurées et nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous fait cette grâce-là, vraiment. Vraiment. Il y a un titre que moi j'apprécie fort bien, que je vais proposer aux téléspectateurs, je suppose qu'ils vont aussi apprécier, c'est le titre « Huit Dieux ». Suivons ensemble le groupe Eden dans son titre « Huit Dieux ». Je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Sur ma vie.
Alors voilà, de retour sur le plateau. Très belle vidéo, très belle coloration, très belle chorégraphie, il faut le dire. Qui est votre maître chorégraphe? C'est qui? C'est monsieur Martial Bowie. Franchement. Ah ça. Très belle chorégraphie, j'apprécie. J'apprécie les couleurs, j'apprécie la chorégraphie. Vous êtes forte aussi, hein? Il faut le dire, hein? Elles sont fortes. Alors maintenant, on passe à un espace que ils apprécient tous les cadreurs d'ici, l'espace Jardin Secret. On veut savoir, est-ce que les membres du groupe Eden sont mariés? Non. Pas encore? Non, pas encore. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Le temps de Dieu? Encore mineur, donc... Ah d'accord, ah ok d'accord, encore mineur, mais on commence maintenant, hein, on commence à cheminer maintenant jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais tout content, je suis là, je suis prête, on attend le jour du mariage, j'y serai. J'y serai. Vous êtes nouvelle dans le milieu du showbiz, je veux dire comme ça, vous êtes jeune, vous êtes quand même nouvelle, et vous avez trouvé des aînés, des personnes qui étaient là bien avant vous. Comment est-ce que la collaboration se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez bien avec ce que vous avez trouvé sur déjà là, je veux dire comme ça? Je pense que nous sommes sortis il n'y a pas assez longtemps. Mm-hmm. Et donc, nous ne connaissons pas encore assez de personnes. Du moins, nous n'avons pas encore rencontré assez de chantres. Mais pour les quelques-uns que nous avons rencontrés, la collaboration est bonne. Voilà. Mm-hmm. Les relations sont quand même harmonieuses. D'accord. Alors, le groupe Eden aujourd'hui est en train de prendre son envol. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets à court terme, à long terme? Qu'est-ce que vous prévoyez en quelque sorte? Alors, pour l'instant, nous sommes au stade de la promotion. Mmh. Et donc, nous faisons une caravane dans les églises pour présenter l'album. D'accord. Voilà. Maintenant, après cela, pour les projets à long terme, c'est sûr que vous en serez informés. D'accord. Question de cuisine interne, quoi, pour l'instant. D'accord, elle est quand même cachotière. D'accord. Nous sommes avec le groupe Eden, une formation de deux belles filles qui font l'œuvre de Dieu à travers de la louange. Elles chantent, elles évangélisent, elles ont sur leur album 11 titres bien fournis et bien garnis. Alors, les élus de Jésus, est-ce que vous avez un mot pour ceux qui vous suivent actuellement? Voilà, nous voulons vraiment encourager tous ceux qui nous suivent à pouvoir vraiment acheter cet album. Allez vite, vous en procurer, parce que tu achètes ton album, c'est le temps de la grâce. Et lorsque tu vas acheter cet album, tu vas l'écouter, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Toi qui traverses des moments difficiles, tu penses que c'est terminé, mais il y a encore de l'espoir pour toi, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans longtemps, il va le faire aussi pour toi aujourd'hui. Il est capable de le faire aujourd'hui. Il suffit que tu t'achètes cet album, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. C'est Amen. Le temps de la grâce pour toi. Amen. On dit très souvent, tu auras l'occasion de parler, toutes mes excuses, on dit très souvent que les filles ensemble, il y a toujours des chocs. Mais comment ça se passe entre vous? Est-ce que ça marche toujours? Comment ça se passe? Oh, ça marche très bien par la grâce de Dieu. Larissa, elle est comme ma maman parce que je la fatigue un peu trop. D'accord. Un peu de caprice, disons trop de caprice, mais bon, elle arrive à les supporter et je lui tire mon chapeau. D'accord. Quel est le plus gros défaut de Larissa? Quel est le plus gros défaut de Larissa? Tu t'apprêtes parce que tu nous diras aussi son plus gros défaut. Quel est le plus gros défaut de Larissa? J'aime pas quand elle serre son visage, elle est horrible. D'accord. Alors, c'est le moment, Larissa. Quel est le plus gros défaut de Marina? C'est Marina, je ne me trompe pas. Oui, c'est cela. Son plus gros défaut. Je retiens déjà qu'elle est un peu... Elle est capricieuse. Oui, ça, je retiens. Donc, je veux quelque chose d'autre. Hein. Je veux quelque chose d'autre. Le plus gros défaut. Elle se décourage un peu vite. D'accord. Donc, comme une mère, tu es là pour la réconforter, pour la remonter. D'accord. Je pense qu'avec ça, Dieu vous soutiendra. Il vous donnera le courage et cette force-là d'avancer, d'aller de l'avant. Nous sommes pratiquement au temps de notre émission, mais nous ne pourrons boucler les portes de Matin d'Afrique sans passer à la rubrique Prénom biblique. Alors, voilà ainsi ouvertes les portes de la rubrique que vous appréciez tous, Prénom biblique. Aujourd'hui, nous parlerons d'un prénom que j'apprécie bien, le prénom Élisée. C'est vrai que j'ai toutes les réponses ici, je connais la signification, mais je vais tester un peu, je vois si les filles lisent la Bible, si elles connaissent la Bible. Voilà, donc je commence avec toi. Est-ce que tu connais la signification du prénom Élisée? Bien sûr. Qu'est-ce que Élisée ça signifie? Mon Dieu sauve. Mon Dieu sauve. Voilà, là, elle m'a bien eu. Elle m'a bien eu, mais j'ai encore un pion que je compte piéger. Pour ta gouverne, voilà, Élie est un prophète d'Israël. Il succéda à
Élie son maître, pardon, Élisée est un prophète d'Israël. Il succéda à Élie son maître. Et son histoire est dans un livre de la Bible. On veut savoir de quel livre il s'agit. Concentre-toi, voilà, parce que là, toute la nation entière te regarde. Tous les 48 pays te suivent. Marina, on va verser notre figure par terre. Ça peut aller. Gengengeng. Je suis que tu es prête. Oui, ça peut aller. D'accord, donc nous t'écoutons. Alors, l'histoire d'Élisée se trouve dans le livre de 1 roi 19, à partir du verset 16. Waouh, là, elle m'a bien eu. C'est exact, c'est exact. Élisée signifie « mon Dieu sauve », comme elles ont si bien dit. C'est un prophète d'Israël. Il succéda à Élie, son maître. Et la référence biblique, c'est 1 roi 19, le verset 16. Alors, bravo les filles. Vous êtes calées spirituellement là, je m'en rends compte. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Ça a été un moment vraiment enchanteur, je dirais. Nous avons passé des moments agréables en compagnie du groupe Eden. Mais toute chose a une fin et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Juste votre mot de fin. Alors, nous voulons dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de courir et se procurer le CD du groupe Eden, le CD Temps de Grâce. Parce que nous savons une chose, que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle au travers de sa parole, de la Bible. Il parle au travers des songes, mais il parle aussi dans un moment d'adoration. Et je dis à ces téléspectateurs qui nous suivent de se procurer les CD et d'aller, de s'enfermer dans leur chambre et de vivre un moment intense d'adoration, un moment d'intimité personnelle avec leur Dieu, afin de recevoir une réponse à leur requête, une réponse à leur prière. Je pense que cela leur fera assez de bien. Marina, voilà. Un peu évangéliste sur les bords. Attends, dites-moi, vous êtes un peu évangéliste sur les bords? Ou bien c'est à force de côtoyer votre père spirituel que nous saluons au passage? Oui, la grâce de notre père spirituel coule sur notre vie. Nous voulons le saluer au passage. C'est lui qui coule. D'accord. Nous sommes au thème de notre émission, voilà. Elle a si bien dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est le moment pour elle de nous parler d'une autre manière. Nous vous écoutons. Nous sommes heureuses, c'est un matin d'Afrique, sur Béni TV, avec Sonia. Alors, voilà, nous fermons les portes de cette émission. Toute chose a une fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'était à présent le groupe Eden, une formation de deux belles filles. Elles sont belles autant physiquement que spirituellement. Elles ont la voix au point. Mesdames, messieurs, nous avons été ravis d'être en votre compagnie. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Alléluia. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tomber dans un gouffre et les hommes inondent. Et Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Et Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Et Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon âme.
Je te louerai.